Bon, on va regarder. On va regarder celle-ci. Il n'y a pas trop d'activité. Et... ouais, c'est bien allégé quand même. Elle était beaucoup plus lourde que ça. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment pas beaucoup d'activité. Donc bon, on va aller voir. Ouais, je sais pas. Donc je vais sortir tous les cadres. Bon là il y a du miel. Ok, bon. Donc il doit y avoir des réserves, ça c'est sûr. Sur celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a encore du miel là-dessus, ok. Bon. J'aimerais juste m'assurer qu'il y a vraiment une reine, donc voir un petit peu de couvain. Parce que j'ai pas envie de nourrir une ruche bourdonnaise. Ah, il y a du monde ici quand même. Et si, si, il y a pas mal de monde en fait. Ah, évidemment, je voyais pas autant, mais ce cadre il est sale. Donc je vais regarder qu'il soit pas. Ouais, je vois. Ah, il y a une cellule royale là. On dirait. Là, il y a une vieille et là, il y a quoi? Non, c'est vieux ça aussi. Non, c'est vieux. Ce cadre il ira de l'autre côté aussi. Ouais, celle-là au final elle est peut-être plus forte que les autres. Il n'y a toujours pas d'œuf, mais il y a la place pour pondre. Hein. Par contre, on voit que les cadres ils ont tous moisi à l'arrière. Ils ont tous moisi à l'arrière. Ça chante comme une bourdonneuse, c'est bizarre ça. Et surtout, je vois pas de couvain, ce qui est encore plus bizarre. Il va bien y avoir du couvain quelque part. Je vois qu'il y a des petites ébauches partout de cellules royales. Il n'y a pas d'œuf. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'activité. Il y a des petites cellules royales un peu partout. Alors est-ce qu'il y a une reine vierge? Ça bat des ailes, ça sent la bourdonneuse, enfin la bourdonneuse, du moins l'orpheline. Ça sent l'orpheline, ça. Du coup, ça sert à rien que je la nourrisse. Ça sert à rien que je la nourrisse. Par contre, la reine n'a pas dû mourir il y a très très longtemps, hein, parce qu'il n'y a pas de, il y a peut-être une guerre de vierge, j'ai remarqué. De cellules de faux bourdon. Bon, là-bas il y a du miel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça. Et tout le monde a notre choix à cette période. Et puis voilà, suite au prochain épisode. Hein. Mais bon, le voilà. Quand les abeilles battent le rappel, comme ça là, il y a la glande de Nazanov là. Je sais pas si vous la voyez juste là. Hop. Bon. En principe, je vais essayer de faire un zoom. Là, on la voit, la glande, juste au bout là. Hop. On voit bien la glande là, petit point un peu blanc là, blanchâtre.
Bon allez, ben je referme, c'est pas très intéressant sur celle-là. Allez, on y passe à la prochaine après.